Tu vois ce point. Salut les potes. La Corse, ouais, c'est un ballon. Jean-Patrick, s'il te plaît, merci. Il y a 4 minutes de travail où on fait les gammes athlétiques entre les deux bleus, et après 4 minutes où on allongera un peu. Ici, mobilité articulaire, une fois que c'est fait, on va à l'atelier d'Alès. Une fois que l'atelier d'Alès est terminé, Tom, tu viens à l'atelier ici où il y a Léo. Léo, là-bas et là-bas à la source. C'est bon, ici c'est mobilité, fréquence, mobilité. Allez, c'est parti. Benji, c'est Anto. Allez, Benji. Hein? Ouais, ouais. Sinon, 4 minutes tranquille, ah, 120 secondes, 430. 2 minutes. Ouais, il bloque bien rapide son step après derrière. Ah, c'est parti. Ah, regardez bien. Voilà. Un GBE, tiendrait, mets-toi là, poulet. Là, ici. Prise de balle starter. Prise de balle. Là, God, tu te mets dans, tu vois, par rapport au milieu, tu viens un peu vers Drey. Voilà, il fait sa prise de balle, je t'amène sur une mise au sol, tu touches la light, tu viens te replacer, et tiens, il se repositionne, pompe, prise, prise, sol, d'accord? Tu veux deux prises, sol, touche. C'est bon, t'as compris? T'as super, t'as compris. Allez! Allez, là, hop, sol, allez, vas-y, hop, va toucher light. Et tiens, quand il vient bloquer, tu envoies. Là, ouais, stabilise, là, prise. Et là, et une dernière, on fait 3. Là. Et là-bas, là-bas. Et pas. Là. Là. Et là, récupère. Putain, faut le connecter ce matin. Hein? C'est pour voir si Drey est dedans. Allez, ouais. Ouais. Allez, on passe. Termine. On va la balle. Bien joué. Oh, t'es pas plié. Ah, bien joué. Ouais, mais au bon moment, au bon moment. Là, claquer le ballon, orientation rapide. Hey, bouge-toi. Hey, on part sur le premier circuit. Hey, dynamique, derrière maintien, c'est tout. Allez, hey, on part déjà dans le vecteur. Ouais, à la ligne, qualité de passe, bien joué. Allez, c'est parti, c'est le dernier. Plus élan. Allez, la vitesse max, allez, allez, fort. Allez, allez, allez. Plus grand, plus grand, plus grand. Sol. Super. Avant la ligne. Là on saute. Combien vous avez mis, Pablo? 8 pour l'instant. 8. Dernier passage. Putain, nous deux. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ah ouais, c'est quoi là-bas? C'est combien? Les centres en l'air. Allez, dernier non, passage. Santiago, c'est Santiago. Coutinho, il a dit. 9 buts. Non. Vous avez mis combien de coups francs? Lenny, je connais votre technique, j'étais avec Tom. J'étais avec Tom. Ça, je veux hypocrite. Je connais votre technique, j'étais avec Tom. Ah, j'ai cru, je connais votre technique. Toi tu vas pas mentir, c'est vraiment dingue. Non, en tout. En tout, tout le monde. On est où nous? On est là-bas ou quoi? Hey, 3 chaque côté, 4 frappes. N'importe, et on change. Où tu veux.
Moi, je commence. Ah, c'est Joe, c'est toi ? Ouais, c'est Joe dans le but. Ah, si c'est Joe, c'est bon, on va. Oh, coucou. Ça va, Camille ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Tu vas où, là ? La tenue de ah, bah, moi, je dois aller de côté. Ah, mais non, viens, du feu. Mais non, ce qu'il a dit, c'est 3 et 3. 3 et 3, et vous changez. Aïe! Oh je le règle le pied après, c'est bon. Normalement, c'est moi, je dois tous les tirer en match. Move. Oh là là, non, peut-être que c'est Ibrahim. C'est un. Non, mais Ibrahim, c'est de la chance. Fantastique. C'est Mickaël qui doit les tirer. Vas-y, montre-leur à la cam-cam. Je suis pas. Je suis couché. Deux. Oui. Des petits sauts. Mikaz, il a frappé à gauche. Gauche. Il a plus pied gauche. Mikaz, pied gauche. Aïe. C'est pas ton truc, du coup, ça. Non, pas du tout. Moi, c'est les têtes, mon truc. Oui. Pardon, Mikaz, pardon. Elle a touché à la tête, mais c'est but. Hein. C'est bien. Il y a quoi en jeu aujourd'hui? Shampoing. Shampoing. Ouais, comme d'hab. Et aujourd'hui, on n'est pas favori, ouais. J'ai essayé d'où ? J'ai marqué, j'ai marqué. J'ai essayé d'où ? Je te mets des cadeaux. Ça, c'est des bonbons. Ça, c'est des bonbons. Ça, c'est des ballons, c'est pas raté. 9. Sois 9, la Bena. Mais maintenant, c'est 10. C'est maintenant, c'est 10. C'est maintenant, c'est 10. 10, 10, 10, 10, 10. Si, si. Il va pas la vite. Tu vas te blesser, même la caméra pourrait te blesser, regarde. Hein c'est pour vous les gels douche là ou quoi? Non. L'Armali on a archi bien. 9 coups francs là-bas, 14 buts là-bas. On a de quoi venir. Non, on va se faire plaisir, hein, je pense. Passez, passez. On va se faire plaisir. Vas-y, Kafi. Faites-vous plaisir, les gars. Bien joué. Ouais. Eh, hey, repousse là si ça va pas. Hein. Alors... Oh, oh, elle est bonne. Eh, Benji. Fais la cheville, le genou, mais elle est bonne. Benji, il a le droit de là. Ouais, je t'enfonce. Oui. Allez. Oui. Oui. On revient, les mecs. Premier but. Ça sent pas bon, les bleus. Oui, enchaîne. T'as le bas la main là, t'es dans l'air. Allez Victor. Ah, non. Quoi? Le truc c'est que vous contrôlez pas. Envoie un ballon, il met. Le truc c'est qu'il faut contrôler au sol, vous contrôlez en l'air. Donne-moi un ballon, il met, envoie. On va voir, on va voir. Il casse, on peut prendre un ballon au sol. C'est bon, si tu peux dire que tu peux prendre. Ah bah là il est dans la zone, coach. Là vous êtes dans, rentré dans la surface. Non mais là c'est parce qu'il m'a mis mal. Si, toujours, toujours une esquive. Toujours une esquive. Eh ma foi, là c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est juste que si vous mettez un ballon, il faut la mettre au sol pour aller là ou là. J'ai fait deux contrôles, c'est deux galères. Victor, à moi. Victor, vas-y, va nous montrer. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est compliqué. Ah, mais derrière, voilà, non, on peut pas, là. Oh, voilà, et hop. Vas-y, vers ça pour la frapper. Mais bon, c'est compliqué pour vous, peut-être. Ah, ça va. Non, pardon, Nice. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est pas Star Wars contrôle. Mais c'est pas compliqué en fait. En plus, en basket. En crampon, je sais. Et au coup, vous avez mis 8. Au coup franc, on en a mis 5. Et eux, 5 au mis franc. On en a mis 5 au coup. Les bleus, mais 5 au dernier. On en a mis 5. Et nous, 9. Absolument pas. Pour dire, on va pas aller jusqu'au bout des choses. Mais on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Il y a des scores qui sont incroyables. Oh, pété. Ah ouais, ça se vend d'accord. Et ouais, mais en vrai, je vais vraiment lire. Ouais. 38 secondes, vous avez quoi? Ouais, je suis là, je suis là.
Bah, c'était cool hein. Moi je préfère le train à l'avion en tout cas. C'est plus confortable. Un petit peu, surtout dormi en fait. Et c'est parti ici au stade Charletti à Paris pour cette 30e journée de Ligue 2 BKT entre le Paris FC et l'AS Saint-Etienne. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alain, bonjour Alain. Bonjour. Alain, forcément, même si on va attendre de voir cette première opportunité pour les Stéphanois avec Yonif Senkunku sur le côté gauche qui va peut-être pouvoir centrer. On est dans la surface. Oh, le but. L'ouverture du score pour les Stéphanois. Après seulement 20 secondes de jeu, il me semble que c'est Ibrahim Awadji qui vient mettre une petite touche de balle, c'est parfait Alain pour démarrer cette rencontre. Ah, 1-0 pour les Verts. On peut pas rêver mieux, hein. On fait l'engagement, une balle sur le côté, Nkoukou qui prend de vitesse son adversaire le fort et qui centre. Et avec beaucoup de justesse et de malice, Wadji qui talonne et qui marque ce but au bout de 20 secondes. Certainement le but le plus rapide de la Ligue 2 et de la journée certainement. Pas laisser l'espace. Rendu trop vite. Serré, hein. il faut serrer. Attention au deuxième poteau. Attention à ce centre et à l'égalisation. Ah là, 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 là. L'égalisation pour le Paris FC. Elle est signée Hamel. Ah oui, qui a laissé son poste sur le côté droit pour se resserrer dans l'axe. Seydou, oui, c'est exact. Seydou. Qui, Léo duel. Qui est trop loin pour le centre. Allez, encore attention sur les côtés. Attention à Kebal. Oh, attention à Kebal. Et ça fait 2-1. Le but pour Iglesias, alors que les Stéphanois ont eu l'opportunité d'aller marquer ce deuxième but. C'est le Paris FC qui vient punir l'AS Saint-Etienne. On a bien commencé avec un but dès le départ. Après, on se l'est rendu un peu plus difficile en étant mené au score, mais on a bien su réagir. On avait eu un vrai bon début sur match côté. De la part des Stéphanois. Alors on y croit, un joli centre, la tête de Wadji. Ouais, Nkoukou. Super. Et pas de position de hors-jeu pour les Stéphanois. Et Nkoukou qui vient égaliser le match complètement fou. Et après une demi-heure de jeu, un peu plus, les Stéphanois qui sont de nouveau de retour dans cette partie à Charletti, de partout, entre le Paris FC et la SS. Dans l'ensemble, une première mi-temps où on était sur un rythme un peu mou. Et bon voilà, à la mi-temps, on s'est fait un peu secouer. Et puis on s'est remis dedans. On a mis plus de rythme. Et donc du coup, en mi-temps, on était mieux et ça s'est vu au score aussi. Allez, Nkoukou. Oh, oh, quel but! Quel but pour l'AS Saint-Etienne, il a été contré. Ce centre de Nkoukou qui vient mettre un but exceptionnel et qui vient fêter ça avec tous les supporters stéphanois qui ont envahi Charletti. Les Verts qui mènent 3-2. Est-ce qu'elle a été contrée cette balle? Non, pas du tout. Elle n'a pas été contrée. Pas. Incroyable ce but, ouais, de Nkoukou. C'est une belle soirée aussi pour moi. J'avais à cœur de faire une bonne prestation ici à Paris parce que c'est chez moi et j'ai su le faire. Et l'équipe a su le faire aussi parce que sans eux, j'aurais pas pu acquérir et faire tout ça, donc je les remercie et je remercie tous les supporters verts. Dernier ballon, Mathieu Cafaro qui va rentrer dans la surface. Mathieu Cafaro, le pénalty. Pénalty pour les Verts. Ah, bien joué Mathieu, un gros travail. 67e minute de jeu et les Verts qui ont l'occasion de faire le break. Et Mathieu Cafaro qu'on croyait Mathieu blessé. Mathieu qui joue très bien déjà, on lui tire le maillot et après on le fauche. C'est Chargui hein, qui est coupable de cette faute. Indiscutable. Et pour le quatrième. C'est parti Jean-Philippe Crasson. Ouais, c'est dedans. Oh, de Marconnet qui était parti du bon côté. 15e but cette saison pour le capitaine du soir Jean-Philippe Crasson. Et ça fait surtout 4-2 pour les Verts. Ah, c'était fébrile ce coup de pied, là, on l'a bien senti, manque de confiance un petit peu. Là, il est parti du bon côté de Marconnet, ça lui passe sous le ventre.
Ah, elle est bien tirée quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est, ça fait plaisir de faire tomber les filets, surtout sur penalty. Voilà, j'étais resté sur un échec. Mais voilà, faut pas trop y penser. Et puis voilà, j'étais bien concentré, c'est rentré, c'est parfait. Et en deuxième mi-temps. Sur Akeba, la frappe ! Oh là 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 là, quelle intervention de la part de Gauthier Larsonneur dans le temps additionnel. Quelle frappe, vous le disiez Alain, de Kebal qui se met sur son pied gauche. Oh là 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 là. Ils ont fait une très belle. Et c'est terminé Alain, super. C'est terminé. Victoire 4 buts à 2. Bravo à ces Stéphanois, bravo également aux supporters qui ont encouragé leur équipe vers un 9e match sans défaite en Ligue de BKT et surtout vers ces 39 points pour les Stéphanois. Et alors, quel chatard! Quel chatard! La chose, il a pas fait exprès, il donne la chatte et il le sait. Félicitations à tout le monde, à tout le groupe. C'est très important ce qu'on a fait aujourd'hui. On a montré une force de caractère, notamment par rapport à ce qui s'est passé en première mi-temps. Okay, c'est très très important pour le groupe. Et comme j'avais promis, à mercredi les gars. À mercredi, ouais. Salut.